Alors Barbara, mon nom, je fais partie d'un petit collectif de 3 personnes qui gère cette ferme agro-touristique. On a des gîtes et puis on a des cultures, prioritairement grandes cultures céréales, mais aussi petits fruits, vergers, maraîchage et des animaux. Donc on ne va pas faire des produits qui sont... Par exemple, on fait des pizzas. Et puis, sur les pizzas, on propose des choses qu'on peut avoir ici. On avait une pizza sauvage, par exemple, avec des orties, des poucos floraux, des ailes des ours. Ou on essaie de trouver les choses qui sont dans la nature. Et puis la nature, elle a, pour moi, toujours assez... En fait, en tout cas... Elle nous donne beaucoup. Et puis on est installé à Tra sur seulement 11 hectares. Et puis on peut vivre les trois et parce qu'on fait des petites cultures et on n'est pas très mécanisé. Après, il y a aussi le fait qu'il y a peut-être une autre chose qu'on se dit, par exemple, on n'augmente pas le nombre des animaux dès qu'on ne peut pas les nourrir. J'ai beaucoup de clients, beaucoup de gens qui viennent dans le gîte qui sont végétariens, des enfants. Alors on est souvent confrontés pourquoi on les a, parce qu'on là-bas, on gère nos troupeaux par rapport aussi à la nourriture et puis par rapport aussi à renouvellement de sang. C'est normal, il y a des mâles, on ne peut pas garder tous les mâles, on doit chercher, changer des bouts, le bélier. En fait, on est dans toutes ces questions comme tous ceux qui élèvent des animaux. Et du coup, on abat et du coup, quand ils comprennent que en fait, ça fait vivre, on fait pâturer, on coupe aussi pour qu'on a un paysage comme on a. Sinon, on aura de la forêt, il faut s'occuper. Soit on fait avec des machines, on fait du foin, on fait pâturer des animaux, mais en fait tout ça, sous le verger, c'est difficile d'aller avec un tracteur. Donc les moutons sont super pour sous le verger, mais il faut qu'on gère le troupeau quand même. Donc c'est un ensemble, ils ont leur tâche sur la ferme, les animaux. Sans qu'on... Là, on a décidé de ne pas les élever à intensement. On est dans un monde qui change. Moi, ça fait maintenant la 8e année que je suis sur cette ferme. Et puis, toutes ces années, chaque année, les agriculteurs, les voisins qui sont là depuis enfants, qui ont repris leur ferme familiale et tout, ils me disent ça, c'est une année exceptionnelle. L'autre année aussi, l'année suivante, c'était une année exceptionnelle. Et 2020, la sécheresse, c'était exceptionnel. Et 2016, le printemps, c'était exceptionnel, cette pluie et tout ça. Donc, on est dans un monde qui change. En tout cas, on est très, très touchés par ça, les agriculteurs, parce que la météo, on avait les grêlons cette année. C'est très rare ici qu'on a des grêlons autant grands. Ils nous ont trouvé la serre et faire des dégâts dans les blés aussi. Et ceux qui nous ont cédé la ferme, ils ont dit que ce n'était pas notre 30 ans, il n'y avait pas ça. Donc je pense qu'on doit se préparer sur des événements plus extrêmes. Et là-dessus, on peut encore beaucoup faire. Collectionner l'eau de pluie. On peut être notre stratégie d'être très très diversifiée parce que comme ça on n'a pas une fragilité sur une culture. On a toujours fonctionné une année où il n'y a pas trop de fruits parce que le gel était peut-être tardif. On peut compenser par une autre culture. Et puis je pense on a si on regarde dans le petit, on a toujours possibilité de... Ça dépend toujours ce qu'on veut. Ça dépend toujours ce qu'on veut. Si on veut toujours de tout, tout le temps, ça va être un peu difficile. Après, c'est peut-être la gestion de se réjouir si une,
une chose réussisse une année, mais pas là, l'autre année. Si on veut partout que chaque année, j'ai une tonne de fruits, bah, ça ne va pas aller. C'est juste, on a des limites, heureusement, naturelles qui nous empêchent ça. Puis c'est même, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Mais peut-être pour dire que si je cultive quelque chose, j'aimerais que réussir. Je ne vais pas semer et dire, oh bon, tant pis si les oiseaux prennent tout. Ouais, si je cultive, je prépare mon sol, je sème mes semences. Bien sûr, je me réjouis et que ça donne quelque chose. Et bien sûr, moi, on a le cahier de culture, on note chaque année qu'est-ce qu'on récolte. Et puis, je sais essayer de comprendre pourquoi c'est moins, pourquoi c'est plus. Mais je sais pas, c'est absolument, ah, il faut que j'ai toujours 3 tonnes sur un hectare. Bah, c'est juste, on se stresse trop, je trouve. Ce qui aide ici, c'est qu'on n'est pas dépendant de quelque chose. Il faut pas, ça veut dire, bah, si on est dépendant, qu'est-ce qu'on fait? On fait une assurance, on regarde ailleurs, on est les pauvres, aidez-nous. Mais je pense plutôt qu'on doit juste être flexible et être un peu créatif pour voir. Bah, ouais, parce que je pense que nos ancêtres étaient aussi créatifs. Ils ont aussi dû se confronter à des changements comme nous aussi. Et puis il n'y a pas toujours la solidarité. C'est super. Dans le petit, je trouve que c'est génial. Mais après, dans le grand, je trouve que c'est à nous de changer aussi quelque chose. On a aussi un rôle là-dedans. Les grandes exploitations qui visent une, deux, voire trois productions intenses, je pense qu'ils ont quelque chose à réfléchir là-dessus. Justement, ils sont moins flexibles, ils ont des grandes dépendances au niveau le bâtiment, la technique, les transports. Il faut qu'ils ont moins de flexibilité à dire « Ah, on va un peu modifier ça, on va un peu diminuer ça ». Je pense que c'est ça, déjà ça. Et bah, les consommateurs, bah, oui, ils peuvent aussi être plus flexibles parce que y a ces initiatives qui s'appellent la crise solidaire, ou oh, bon, peu importe quel nom. En tout cas, c'est que les clients, ils sont comme liés à une ferme et ils reçoivent ce que la ferme peut produire. Et du coup, dans le panier des légumes, il y en a ce qu'il y a. Et ça, c'est un peu le chemin à aller, parce qu'on ne peut pas toujours avoir des fraises si une année ça donne tant, bah, l'autre année c'est peut-être moins, et puis du coup il n'y en a pas pour tout le monde la même quantité. Et par contre il y a peut-être plus de myrtilles ou... bah, j'ai pas l'impression qu'on en manque en tout cas. donc être un peu plus flexible sur ces besoins qui sont souvent des besoins en tout cas pas très élément, en fait, pas exemple. Oui, il y a des aides, quand il y a ça, il y a des aides, quand il y a ça, bah, ça donne aussi, ça donne un peu moins l'appel à être flexible soi-même. Parce que ça donne un peu l'impression qu'il y a toujours quelqu'un qui aide. Ce qui est joli, ce qui est beau, comme ça, en tout, ça peut juste pas fonctionner sur 10 ans. Et puis on est plutôt dans une période les événements justement climatiques qui changent trop souvent pour être toujours là, chapeautés par la grande solidarité. Ben là, on était dans les périodes de Noël, des cadeaux et tout ça. Quand on a quelque chose de précieux, une boîte de chocolat trop bon, une boîte pralinée par exemple, on n'a pas vraiment besoin, mais c'est un délice pour tout le monde. Et du coup, qu'on donne ou même un pot de miel, je trouve que c'est très luxueux. Le miel, c'est quand on sait ce qu'il y a dans un pot de miel, c'est juste génial. C'est que de vraiment que on n'a pas chaque jour ce pot de miel sur la table, et puis on a peut-être seulement une fois par semaine une boîte de chocolat sur la table. Et puis pour cultiver, ces produits sont précieux. Et que la nourriture qu'on a qui est précieuse et qu'un cadeau qu'on reçoit qui a sa place et qui reçoit cette place et qu'on peut en profiter au lieu d'avoir trop d'un seul coup et toujours chaque jour les mêmes délices. Ici en Europe,
en France, on a vraiment actuellement presque tout, toujours disponible. Et pour être conscient de ça, il faut un peu cultiver cette conscience. C'est peut-être ça. C'est peut-être cultiver cette conscience qu'on est gâté. Et puis ça. Il n'y a rien du vrai ou du faux dans ça. C'est juste une manière de faire, une manière de vivre ce fait qu'on a pu naître dans un pays qui a cette qualité.